Bonjour et bienvenue pour ce tutoriel Fabricville. Si vous voulez offrir des cadeaux faits maison pour Noël, aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour faire cette peluche de cheval. Avec ce patron, vous pourrez faire un cheval, une licorne ou un pégase. Nous allons utiliser deux couleurs de molleton, de la laine, du fil, deux boutons pour les yeux, de la bourre polyester, le patron Burda Style B6495, et nous allons aussi utiliser notre machine à coudre, des ciseaux, des épingles et un crayon de marquage. D'abord, j'épingle les pièces de patron sur le tissu en respectant le droit fil. Je coupe en bleu le corps du cheval et un côté des oreilles. Et je coupe les ailes, les sabots et l'autre face des oreilles en blanc. Puis je relève les repères. D'abord, je couds les yeux, puis je place les sabots en bas des jambes, et je pique. Je place la face intérieure sur la face extérieure, endroit contre endroit, et je pique les entrejambes. Je superpose les parties bleues et blanches des oreilles et je pique le bord extérieur. Je superpose les ailes endroit à l'intérieur et je pique les bords extérieurs. Je crante puis je retourne. Puis je pique le long des lignes que j'ai tracées. Je remplis les oreilles et je vais plier selon la pince et piquer. Maintenant, j'épingle le dessous des sabots et je pique. Je vais couper des brins de laine. D'abord des brins de 25 cm pour la crinière, puis des brins de 40 cm pour la queue du cheval. Je plie les brins de la crinière en deux et je vais les piquer entre les repères. Et je fais de même pour la queue. J'épingle les oreilles avec la partie blanche contre la tête du cheval. Puis je vais piquer les ailes, mais d'abord je fais disparaître les traces de mon crayon au fer. Je remplis les ailes et je les place. Et je répète ces opérations avec l'autre face de la peluche. Et je pique. Puis je vais placer le milieu de la tête du cheval. J'épingle, puis je pique un côté. Puis le deuxième. Et j'épingle les deux faces du cheval endroit contre endroit. Le long du dos, puis au-dessous. Et je laisse une ouverture au niveau du ventre. Je pique. Je retourne. Puis je remplis de bourre polyester. Et je referme à la main. Et notre peluche de Pégase est terminée. Passez d'excellentes fêtes et à bientôt.